Bonjour à tous et à toutes, je serai Luis aujourd'hui. La suite de Breath of Fire 1, la version Game Boy Advance. La dernière fois c'était il y a un mois, c'est-à-dire quand j'étais malade. Je suis allé dans cette forêt, donc aussi dans ce donjon. J'ai galéré dans cette forêt pour trouver ce donjon. J'ai tapé un boss rush de deux boss plus un autre, mais que j'ai fait avec ce troisième personnage qui s'appelle Bo. Et maintenant j'ai juste envie de sortir de cette forêt parce que je n'ai plus beaucoup de vie. Donc du coup j'aimerais me casser de là. Vite. Genre très. Genre je m'en fous. Je m'en fous des combats. Le fleuret, je crois que je vais le garder comme arme. Je vais garder le fleuret. Mais je vais quand même m'acheter une arme de cac. Enfin, une arme où ce qui ne vise qu'un seul ennemi. Voilà. Et aussi potentiellement acheter de l'équipement aux autres. Donc on va au sud, au sud, au sud. On descend. D'accord. Ok, je ne mets aucun dommage. Oh oui, une herbe. Oh oui. De l'herbe, la drogue. C'est trop bien. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où je vais. Non, là, je vais me barrer. Cassos, cassos, cassos. Ah, c'était pas le bon chemin, c'était le chemin qui se trouvait juste à droite. Je suis sûr que j'ai loupé des coffres, mais je veux pas rester. Je veux tout simplement pas rester. Et là, il va y avoir un décès. Il va y avoir un décès. Non, c'est bon. Ça va, il n'y a pas de décès. Tant mieux. Oui. Oui. Sortie de cette zone. Et du coup on va aller acheter de l'équipement, dormir, et après on va demander aux gens ce qu'il faut faire. Oui, j'ai vu. D'accord. Non mais ta gueule, ferme ta. Oh putain. Personnage qui bouge. M'en fous. Donc on va dormir déjà. Très belle musique. Bon, je sauvegarderai après. Mais d'abord, je veux des armes. Voilà, une arme pour toi, une arme pour ma gueule. Non, toi tu portes pas de bouclier vu que tu portes un arc, ça sert un peu à rien. Une armure en daim et c'est tout. Et on va équiper tout ça. Alors la faux m'ajoute. What the f. Fric alors. Mon épée longue est largement mieux que cette faux. Fric. Du coup je reprends le fleuret. Bon, j'ai fait un achat pour rien. Fait de la grosse merde. En même temps, 1250. Voilà. Je vais peut-être aller au village à côté, vu que ça doit être là qu'ils ont des objets. Je vais cependant demander à quelques personnages qu'est-ce que je dois faire.
Ok, bah dégage. D'accord. D'accord. Non mais c'est cool de me dire des informations useless. Hein. Moi je suis tout à fait d'accord. D'accord. Encore plus utile. Je ne sais pas à quoi tu vous servais. À quoi servez-vous, PNJ? Je vous le demande. C'est une vraie question. Répondez-moi. C'était pas ce que je voulais faire. Donc là, des objets. Plein d'objets. Alors, je veux de l'herbe, beaucoup d'herbe, genre une vingtaine. Là, je vais t'en prendre. Ça, ça coûte trop cher. Des vies, j'en ai encore. Et des larmes, j'en ai plein. Voilà. Maintenant, dans les objets, on va ranger pour faire de la place. Voilà, là, c'est un entrepôt qui ne sert à rien. Maintenant, oui. D'accord. Ok. Salut la vieille. Non. D'accord. D'accord. Non mais c'est bien de me donner des indices, mais si je sais pas ce qu'il faut faire. Ok. Bon. Je ne sais pas quoi faire. Ah tiens, je vais contrôler Beau. Je peux contrôler Beau? Putain, c'est trop cool. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça change un peu rien, mais c'est pas mal. Bon, bah, je sais pas quoi faire. Maison vide, hein, évidemment. Faut aller dans la maison différente des autres. Même pas. Ah bah alors là, je ne sais pas. À quoi, à côté de Romero? Je ne sais plus. Cyborg, il vaut le coup. D'accord. Ça veut dire quoi, en fait? C'est-à-dire que je peux traverser les bois, enfin là, les zones de forêt. C'est petit. Attends. Attends. Ah ouais. Ah, c'est pété, dis donc. Ah, c'est ultra pété. C'est pété de chez pété, dis donc. C'est cool, donc alors attends. Donc ça, je peux le traverser. Mais c'est pété, ce perso. Il est pété. Bon, bah d'accord. Donc là, je suis à Romero, d'accord. Ok, ok. D'accord. D'accord, bah je vais sauvegarder. Déjà, parce que c'est important. Faut le deviner, tout cet enchaînement. Bon bah je ne peux rien faire, hein, vu qu'il faut que j'attende qu'il fasse nuit. Et donc là-haut c'est quoi? T'as des sorts, toi? Ah oui, toi t'as deux, toi t'es un mago d'attaque. Les gros sorts. Yeah, le critique. Et un.
Et deux. Et le one hit combo. Bon, bah on va essayer de choper des animaux. Ok. D'accord. Alors, j'ai de la viande. Bon, allez, oh putain, un objet rare. Ça, c'est un objet rare, je le sens. Donc, les espèces de sangliers donnent de la viande. Et les cerfs donnent du bois. Le bois, c'est pour les problèmes de statue. Ok, bon, on va essayer de farmer des animaux. Si on... Ah, mais c'est vrai que eux, ils sont toujours affectés par les par l'environnement extérieur. Ils peuvent pas traverser le bois. C'est tellement pété, ce personnage. C'est tellement la pétance. C'est pété, c'est... Oh, mais regardez-moi ça, j'accède à des grandes zones. La carte est plus grande en vrai. Tiens, d'ailleurs, elle va bientôt faire nuit. De dommages, pas mal du tout. Bon, du coup, vu qu'il va bientôt faire nuit, je retourne là-bas. Est-ce qu'il peut faire nuit, s'il vous plaît? Non, mais s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Ah, je peux pas traverser les grands arbres, juste les zones de forêt. Bon. Oh, et beau level up, yay! Yeah. Pas mal, c'est le GG. Bon, moi j'aimerais surtout qu'il fasse nuit. Ah bah si, je peux le traverser. Je comprends plus rien alors. Ah, peut-être parce que c'était, il y avait des murs alors. Il fait nuit là? Techniquement, il doit faire nuit. Enfin, il fait nuit. Yep, il fait nuit. Bonjour madame. Ouais. Tu me bloques le passage, connasse. D'accord. Il fait nuit. Et alors, que se passe-t-il? Il fait nuit. Oui. Je ne sais pas. Il fait nuit. Voilà. Ah, bonjour, monsieur. Ah, vas-y, j'y vais. Je ne sais pas, il y a un trou, hein. Oh, c'est pété, il y a des gens. Vite, je peux ouvrir. Ferme avec les connasses. Il y a un personnage ici. D'accord. Hein? D'accord, ouais. Ok, et toi t'es le vieux? D'accord, si tu veux. Bonjour madame. Oui, ah mais vous êtes les personnages du dehors, vous? D'accord. L'eau de la source de la grotte du sud-ouest. Les. À vous. Les. Source du sud-ouest, ok. Mais j'ai pas de genre. Putain, vous aidez pas. Vous aidez pas du tout.
Bon bah, je sais pas quoi faire moi. Non, tu sers à rien toi. Et toi? Toi t'as rien. Bah génial, je ne sais pas quoi faire. C'est quand je m'étais bien débrouillé, et puis là, non. Ah d'accord. Il faut parler plusieurs fois. Bordel. Vous êtes pas chiants les mecs. Je tiens à vous le dire. Hein, c'est... Vous aimez bien. Yay, j'ai une jarre et de l'herbe. La grotte de l'ouest. Il faut aller à l'ouest. À l'ouest. À l'ouest. Non. Non, mais cassez-vous. Ah, elle est là à l'ouest. Enfin, je crois que c'est là. Peut-être. Je ne sais pas. Je peux traverser les forêts maintenant. Oh oui. Si tu vas faire le jeu, hein. Oui. Alors, moi, on m'avait parlé... Non, mais c'est du petit monstre, hein. Voilà. Pas trop du petit monstre quand même. Vas-y, c'était un coup de fleur. Hey. Bon, bah... Il y a des coffres. Là, je vais pas me gêner. Des mages. Sérieux. Oh mon dieu, un critique à 28. Non, mais d'accord, hein, ouais. Si vous voulez. Allez hop, ça c'est fait. Bon, en fait, Bo il va surtout servir pour attaquer en magie. Nina pour soigner. Et puis moi, bah pour. Je dirais pas pour rien, mais pour le tank. Pour tanker à mort. J'ai un joli casque. C'est quoi cette merde? Sérieux? Ah, non, je vais donner à elle finalement. Un point de défense en plus, c'est pas de la merde. En plus, c'était le mauvais chemin. What? Des blob âmes. Mais what the fuck? Oh, le bad trip. Ouais, je leur mets rien du tout. Ouais, je leur mets que dalle. Oh bah évidemment, recover, hein, hein. Tu aimes ça, le recovering. Ah, c'est marrant, ils ont des phases de quand ils n'ont plus beaucoup de points de vie. Ça, c'est drôle. Je trouve ça cool, c'est... ça donne un petit effet... Comme si c'était un petit boss. Alors par contre, l'effet que je les bousille pas, ça me déçoit. Et ça n'attaque que quand c'est en full life. Ça rapporte que dalle par contre d'XP et d'or. Bon. Évidemment, faut faire un détour. Ah ben là, d'accord. Ok. Encore? Oh non, mais la dernière fois, j'ai failli décéder. Yeah, critique 48. Décès. On va descendre quand même. Est-ce qu'il y a un coffre? Ah, mais ça sent le coffre, hein. Je suis désolé. Mais voilà. Ouais, mais non.
Non, ça va pas le faire, les mecs. Oui, attaquer toujours le même, c'est cool. Mais pourquoi tu... Pourquoi vous recoverez? Bon bah allez-y, recoverez-vous hein. Ah, un décès dans pas longtemps. Ouais, un décès, allez. Non mais sérieusement, je peux pas m'enfuir. Wow. Ah, c'est deux attaques après, c'est bon. Non mais je m'en fous, moi je m'enfuis. Ça va se terminer sur un décès. C'est un décès. Allez, voilà, ça c'est fait. Au revoir. Trop bien. Bon, je n'ai plus la jarre, évidemment. Si, j'ai toujours la jarre. Connerie d'arbre. Ah, ces blocs de merde. Non, casse-toi. Non, mais sérieusement, putain. C'est incroyable, un monstre de merde comme ça, j'arrive pas à m'enfuir. Là tu me dis que je peux pas m'enfuir, mais je t'en fouine. Bordel, un slime. Un slime est de merde en plus. Vas-y, toi décède. Voilà. Je récupère du bois. Bon, cette fois on retient les blobs géants. On utilise l'arsenal. D'accord. Bon, les mages, ça va encore, mais on les fait quand même. Une larme. Ok, bon. On va retourner en bas. On va prendre par le bas. Ok. Ok. On va faire un seul ennemi en même temps. Ça va être aussi simple que ça. Focus sur un seul ennemi. Pendant que j'affaiblis les autres avec mon truc. Enfin, mon fleuret. Sort. Hop. Notre là, il va recouvrir, hein, c'est normal. Enfin, bah voilà, c'était la foudre qu'il leur faut sur leur gueule. Normalement, là, c'est fini.
normalement, j'ai dit. C'est pas avec 10 points de vie de recover que tu vas me tuer. Allez hop, décès. Faudrait que j'ai un sort de zone, c'est ça. Un bon gros sort de zone des familles. Encore, ok. Bon, maintenant que je sais que c'est étincelle pour les... pour les décédés. Enfin, c'est des attaques de type éclair qu'il leur faut. Voilà, ça c'est fait. Et là, c'est bon. Ok, ils ont des sorts de feu. Très bien. Voilà, ça c'est un décès. Maintenant, faut que je me focus sur un seul ennemi. Voilà pourquoi le fleuret est encore utile. J'ai bien fait de ne pas le vendre. Voilà, ça c'est fait. Yeah, level 13 pour ma gueule. Bah tout va bien. Tout est super trop cool. Ah mais attends. Oh va, je découvre des trucs avec LR, je peux changer de personnage contrôlable. Putain, c'est incroyable. Et c'était au nord qu'il fallait aller. Bordel. Tout est super calme. La vie est super trop cool. Je suis calme. De toute façon, je sais que les épisodes de Breath of Fire durent super longtemps, mais en même temps, quand vous voyez la difficulté du jeu, ça ne me fait pas peur. Puis c'est bon, si je veux, je vous mets des épisodes d'une heure. Hein, comme je peux vous en mettre des trucs qui durent même pas 5 minutes. Je sais ce que je veux. C'est mon contenu. Voilà. Allez, on fait bien tous les tours. Faut se concentrer sur un seul mage. Tout en affaiblissant un petit peu l'autre. Enfin, mais je me prends du 20 dommages, c'est quoi ce délire? Allez, on descend, allez, on descend, allez, on descend. Je vais remettre mon personnage principal. Deuxième sous-sol. Droite, gauche, milieu. Je sais pas en haut. Voilà. Ah bah génial. Parfait. Récupérer des coffres. Un casque bronze. Une pomme. Une pomme. Bon. Waouh, je voulais mettre un bandana. Ah bah juste la défense. Qu'est-ce que bon, ça ne sert à rien. Joli casque, ne sert à rien. Qu'est-ce que bon, bam, 60 traces de défense. Allez, je la prends. Bon, c'est bon, j'aimerais surtout le loup en fait. Moi j'aimerais, c'était pour ça que j'étais viendu en fait. Troisième sous-sol, encore. Ah. Yay! That flash forward. Je ne touche plus à rien là. Là je marche. Répand l'eau en pluie.
quand tu réponds de l'eau en pluie. Je ne sais pas. Yay! Joie, flash forward, deuxième. Yay! Oh, plein de coffres, putain, mec, t'es un super trop gentil. Oh, bah, je vais te piquer tous tes coffres, mec. J'ai la tablette. Yay! Plus un soin, plus 500, 900 de gold, plus une herbe, plus un fourmi. C'est trop cool. Tout est super trop bien. Déjà je vais. Alors, on va vendre le merdier. Parce que c'est super important de vendre du merdier. Alors, mon épée. Non, pas celle-là. Le bandana. Le viseur. Et c'est tout. Voilà. On va se regarder. Et puis je vais m'arrêter là. Voilà, là, ça fait une demi-heure que j'enregistre, ça fait beaucoup. Donc du coup, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette partie de Breath of Fire jusqu'au bout. J'espère que cela vous aura plu. Je vous invite à regarder, si c'est la première vidéo que vous regardez, à checker le contenu que je propose. Si cela vous plaît, à vous abonner à la chaîne. À me suivre sur Twitter, @Basralus1. À laisser un commentaire, à liker la vidéo, à les partager si cela vous en... si vous le voulez. Quant à moi, je vous souhaite un bon jeu et je vous dis à la prochaine.